Salut, c'est Sébastien Angel et bienvenue dans cette vidéo. Alors c'est une vidéo informative que je vais faire le plus court possible, la plus courte possible. Je vous avais prévenu, j'aurais dû faire la vidéo plus tôt, mais j'ai pas eu le temps. La semaine dernière a été extrêmement chargée. Je vous avais prévenu à travers le planning qu'il y aura un live caritatif qui aura lieu ce soir, 4 novembre, à partir de 19h30 jusqu'à 22h30. Alors je vais vous parler un petit peu de ce live, de quoi il en retourne, et puis après je vous expliquerai comment, pour ceux qui souhaitent faire un don, vous pouvez faire, parce que vous ne verrez pas du tout les liens habituels qu'il y a sous la chaîne, puisqu'habituellement c'est pour ceux qui veulent me filer un coup de main. Là j'ai viré tout ce qui pouvait avoir un rapport avec la chaîne et je n'ai laissé qu'un lien qui est celui de l'association pour laquelle on va faire ça, qui n'est autre que la Bungie Foundation and Extra Life. C'est une fondation qui a été créée par Bungie, qui est l'éditeur de enfin le développeur pardon de Destiny 2 et de Destiny premier du nom. Là ils ont organisé donc une levée de fonds, et ils ont demandé à tous les streamers, à tous les youtubeurs qui le souhaitaient de participer à ça pour que ça touche un maximum de gens. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo aussi, hein. Je fais aussi cette vidéo pour qu'il y ait un maximum de gens qui soient au courant sur ma chaîne, puisque je m'adresse évidemment à tous les gens qui fréquentent ma chaîne, mais évidemment n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que les gens soient au courant de cet événement, qu'ils le fassent sur notre chaîne ou ailleurs, ça c'est voilà, c'est leur problème, c'est pas un souci, mais au moins qu'ils sachent que cette levée de fonds existe et que s'ils veulent filer un coup de main, donc ils peuvent le faire. Alors qu'est-ce que c'est que cette levée de fonds? Alors c'est une levée de fonds en fait qui est organisée pour les hôpitaux du réseau Miracle pour les enfants. Donc cette levée de fonds aura pour but donc financer des traitements médicaux lourds, d'améliorer les services de soins et de santé et de financer du matériel médical pédiatrique, entre autres choses. Donc comment vous allez pouvoir faire des dons si vous le souhaitez, pour ceux qui le souhaitent? Donc on a une page qui a été créée sur le site de que je ne dise pas de bêtises, de Game to Give, qui est géré par Bungie, pour permettre donc aux youtubeurs de personnaliser un petit peu leur page pour que les gens voilà voient une page, quelque chose qui leur est familier entre guillemets. Donc comment vous allez pouvoir faire des dons pour cet événement? Vous allez cliquer sur le bouton Donate dans un premier temps. Ensuite, vous allez choisir la personne sur laquelle vous allez, parce qu'on a une petite barre d'objectifs, on nous a demandé un objectif, donc on a mis au pif comme ça, on savait pas trop quoi mettre, on a mis 250 $. Alors, il n'y a pas de petit don, hein, si on récupère que 10 $, bah, c'est pas grave, ça leur fera toujours 10 $ en plus. Donc vous choisissez ensuite Last Angel, de toute façon il n'y a que moi dans la liste, hein, donc comme ça le problème est vite réglé. Ensuite, quand vous voulez faire un don, vous cliquez sur Donation, vous cliquez sur Support Me, on vous rappellera tout ça un petit peu avant le live, avant le début du live sur le jeu. Ensuite, là vous dites, oh là, attends, il est gentil Angel, mais là, 50 $, moi j'ai pas 50 $, mais non. Là, eux ils ont prévu des petits packages pour inciter les gens à donner le plus possible, entre guillemets. Là par exemple, les gens qui donneront 50 $ vont avoir en fait des choses qui vont être débloquées dans le jeu, in-game, etc. Là c'est un petit emblème par exemple pour les gens qui donnent 10 $, là pour les gens qui donnent 100 $, là ils vont avoir des trucs physiques, etc. qu'ils vont recevoir chez eux. Vous allez plutôt aller sur la case Other, enfin j'imagine, et là donc vous allez pouvoir mettre le montant du don que vous voulez faire et vous allez mettre un petit message si vous en avez envie. Ensuite, vous allez choisir votre mode de paiement, si vous voulez payer en carte bancaire, en PayPal ou en Amazon Pay. Et ensuite, vous rentrerez vos coordonnées et vous pourrez définir si vous souhaitez que ça soit anonyme ou si vous voulez que votre nom apparaisse. Et vous mettrez une petite adresse mail, voilà, pour qu'on puisse vous envoyer votre reçu. Ensuite, vous cliquerez sur Donate et puis bah voilà, vous aurez fait votre BA de la journée. Et puis tout le monde sera content et ça servira évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, bien aux enfants qui en ont besoin. Voilà, donc j'espère que vous avez tout compris. J'essaie d'être le plus clair possible. Si vous avez de toute façon des questions à ce sujet, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les questions, les choses qui vous viennent à l'esprit. Et de toute façon, on reviendra sur tout ça en début de live avec Willow à partir de 19h30 ce lundi soir. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous remercie beaucoup. Je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, des gens qui vous aiment. Et à ce soir, 19h30, pour filer un petit coup de paluche à ces enfants d'Amérique du Nord. Bye!